Beurre FM. La semaine de nounours. Good morning la France. Bonjour à toi Belmouna. Bonjour. Ça va? Ça va. Ça va le DJ? Ça va. Ma grosse moula. Moula, donnez ma grosse moula. Les amis, voilà, alhamdoulilah. Les amis, la France est triste. Car oui, nous avons retrouvé Éric Zemmour chez lui et vivant. Oh non! Attends. Quand on voit le succès de Jean Dujardin, hein, qu'il a eu avec son film muet. Sérieux Zemmour, vous avez pas envie de la fermer? Non? 2 minutes. T'as vu la punchline, Mona? Hein? Elle est lourde, hein? Bah, j'ai pas tout à fait compris. Est-ce qu'il y a même. Bah, si, il y a du level, T'as pas compris? Non. Non, mais faut pas demander à Mona. Je suis longue à la détente. Ce qui a même poussé Fred Astaire. Ah bah t'as vu, hein, je fais des jeux de mots. Mona, t'allais à l'école ou t'allais en direction de l'école? En direction de l'école. Oh là là, on dirait, bref, je t'expliquerai après. Ok. En ce vendredi à l'approche de la fin des soldes, pourquoi écrit? J'ai donc mis des fins de série en vous évitant ainsi une chronique au rabais, afin de me plonger au cœur de l'actu. Et avant cela, j'ai une devinette pour toi, Belmouna. Dis-moi, quelle est la différence entre Marine Le Pen et Anne Hidalgo? Anne Hidalgo, hein, la maire de Paris, j'explique. Ouais, parce que on a les auditeurs de Radio Soleil, il faut leur expliquer. Tu vois. Franchement, je ne sais pas, dis-moi. Alors, une cherche à gagner des voix et l'autre les supprime sur Paris. Oh, ça, j'ai compris. Elle a même pas compris, la gonne. Ah là 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 là. Et sérieux, j'ai été touché cette semaine par un reportage te concernant, Mona, l'obésité. Et force à tous les gros, à tous les gros de France. Voilà, force à toi, Kim, merci. Mouna. Ouais, voilà. Merci. Et à Wahid, il est pire que non, nous. Non, avant, il était gros, Wahid. Il a maigri, Wahid. Non, non, sérieux. Et une pensée à Nabil aussi. Une pensée à Nabil. Voilà. Moi, perso, je suis pour l'abolition de la béchamel et les tacos. Hein. Et juste après l'émission, je me suis pesé. Hein. Et cette semaine, j'ai compris que ça sert à rien de rentrer le ventre. Car ça change pas les chiffres, mais ça aide à les voir. Mais par contre, je suis fier d'une chose, la vie de ma mère, ça c'est vrai. Je suis plus rapide qu'une Ferrari et une Bugatti Veyron, frérot. Sur la balance, voilà, je passe de 0 à 150 en moins d'une seconde. Hey, cousin, ça fait waouh. Même la balance, elle a crié, waouh. T'es fou, c'est du lourd, frérot. Ah là 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 là, célèbre duo français qui se sépare. Non, Wahid, c'est pas Jackie et Michel, achète un, c'est vendredi. Arrête, Wahid. C'est Daft Punk. Excusez-moi, on est toujours sur le référent. Voilà. C'est la fin après 28 ans de collaboration. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Daft Punk, c'est ça. One more time. Là, normalement, tu fais Put your hands up. Hey, non, je fais comme Kim. Hey. Et c'est aussi ça. Je laisse passer un peu plus, hein, pour les droits d'auteur, je leur fais gratter un peu de SACEM. Fais les kiffer. Non, je rigole, merci Kim. Eh ouais, et ça fait 28 ans que les Daft Punk portent un masque. Et là, on est en pleine pandémie et eux, ils l'enlèvent. C'est bien un groupe français, ça. Et notre président, hein, Emmanuel Macron, a quand même demandé à vérifier si l'un des deux n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès, au cas où. Hein. On sait jamais. On sait jamais. Le couple Kardashian, Kanye West, Kim Kardashian, ont officiellement annoncé leur divorce. Et là, je parie que tous les charros du monde entier se frottent les mains et doivent saturer les DM Insta de Kim Kardashian. Et la vie de ma mère, je suis choqué. J'ai cramé même mon père, il l'a DM. La finale, Niti. Ça va, 5-5. Truc de ouf. Mais sérieux, les gars, lâchez l'affaire avec ce style de femme. Non, mais juste pensez au jour de l'enterrement. Ce style de femme qui, comme Nabila, Sarah Fraisou et tout, tout en plastique. Non, mais c'est vrai. Tu vas pas les enterrer, tu vas les recycler, frère. Oh non. Et elles auront une deuxième vie en aspirateur ou je sais pas quoi. Oh mais bon, non, vu qu'elles ont un master en michetonnerie, je pense qu'on les retrouvera en Thermomix. Hein. Non. Et cette semaine, la planète Mars fut à l'honneur avec la mission spatiale Hop des Émirats Arabes Unis. C'est nous les Arabes. Comme quoi on n'est pas bon qu'à faire des chichas, hein.
Et le robot Persévérance, oui, c'est bien son nom, c'est pas un nom congolais, hein, je vous rassure, sur place, grâce à qui nous avons eu les premières images du son de la planète Mars. Vraiment, c'est une première au monde. Et la France, bah, si on compte sur Jean Castex, on est plus proche d'aller faire un resto à Mars que d'aller manger un resto en Mars. Et franchement, on est saoulé. Bah ouais, on a envie de sortir. Regarde, on a regardé toutes les séries Netflix, on a joué à tous les jeux de société. Et en parlant de jeux de société, sérieux, je me suis posé une question existentielle. Mais qui a inventé le nom des jeux de société? Par exemple, les échecs. Ouais. Là, ça va pas vous plaire, mais je pense que ça doit être l'Olympique de Marseille. Hein, pour oh moi. Non! Alors, le tarot obligé, c'est une Marocaine. Ça, je mets mes deux mains à couper. Oh non! Et non. Le morpion, bon, j'hésite entre un Roumain et un SDF. Oh non! La bonne paye, à 100%, c'est un juif. La bonne paye, c'est un juif. Non, le jeu des dames, bah facile, hein. Ça doit être un entier, tu vois. Ils sont bons casse-bouquets à défaut. Oh non. Le saut de mouton, je pense à un zoophile, mais. Voilà. Et le jeu des sept familles, alors ça, j'en suis sûr à 100%, c'est un malien, obligé. Non! Et comme chaque semaine, les amis, on a des informations cruciaux, toutes chaudes, qui sortent du four, qu'on appelle le « Ça sort du four ». Jingle. En Inde, Ziona Shana, un Indien de 68 ans et le patriarche d'une famille de 94 enfants. Wahi Berk, cet Indien, la plus grande famille au monde avec 39 femmes, et 94 enfants, tout de suite retweeté par la CAF. Hamdoulah, c'est pas en France. PPDA et son affaire de viol présumé, tout de suite retweeté par notre ami Dominique Strauss-Kahn. Bonjour. Bon bah, bienvenue dans le club, petit cochon. Hein. Et si les calculs sont bons, bah, Depardieu nous rejoint bientôt. Ah non. Angleterre et le Covid-19 qui ne voient pas le bout du tunnel. Et on salue la reine Elisabeth qui aura connu des périodes d'épidémie aussi troubles, dont la peste, la rage, la lèpre, le choléra et j'en passe. Tout de suite retweeté par Brigitte Macron. Oh, Queen Elisabeth, une reine depuis l'enfance. Oui, c'est la vraie reine des glaces, elle a régné au temps des dinosaures. Oh et quel bonheur de l'avoir eue comme élève. Lyon, plus de viande à la cantine dans les assiettes de nos enfants. Tout de suite retweeté par Sarah Frézou et Wahid. Heureusement, j'ai arrêté l'école. Hein. Ah, d'ailleurs, j'étais un très bon élève à la cantine, c'est pour ça que je suis devenu humoriste. Les amis, si tout comme moi vous venez de comprendre ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Ne laissez jamais le monde changer votre sourire, car c'est à vous de faire sourire le monde. Je m'appelle Nounours. Bravo Nounours, bravo Nounours. Bravo. Pas comme ça, mais un humour fin. Ouais, allez, reste avec nous. Beurre FM. 6h-9h, la matinale avec Kim, Mona et Waïd.